Bienvenue dans cette émission spéciale dédiée aux droits des femmes. Tous les chiffres le prouvent, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Alors non, il ne s'agit pas d'une chasse à l'homme, mais oui, je vous demande d'écouter, de prendre le temps, de regarder, d'écouter les femmes qui ont accepté de participer à cette émission. Vous le verrez, tour à tour, elles seront enthousiastes, dans le doute, engagées, fortes et parfois désemparées, mais toujours sincère, et c'est important. Pour cette émission, donc, trois thématiques ont été retenues, à savoir la mixité professionnelle, les violences conjugales et le droit à l'IVG. De toute façon, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pareil. Les craintes, je pense qu'elles sont les mêmes. Les difficultés ne sont peut-être pas forcément les mêmes. Les résultats ne seront peut-être pas forcément les mêmes non plus. Mais de toute façon, dans la vie, si on ne tente rien, on n'a rien. Donc, il faut se lancer. C'était des insultes du matin jusqu'au soir devant les enfants. C'était du harcèlement moral, à venir me réveiller la nuit pour avoir des discussions sans fin. C'est du chantage. Du chantage affectif, du chantage sexuel. Donc là, c'est vrai que j'ai eu peur que cet avortement, en fait, quelque part, ait cassé un peu la machine. Il y a eu ça et il y a eu... une pensée fugace, parce que ça ne fait pas partie malgré tout de mon éducation, mais en même temps je ne peux faire que reconnaître que cette pensée quand même était passée par là, par ce cerveau, c'est le bon Dieu m'a puni. On est vraiment dans un pouvoir où il y a un virilisme qui décide encore à la place des femmes ce qu'elles doivent faire de leur corps. Pour cette émission exceptionnelle, nous sommes à la Canopée Gradignan, un espace de travail partagé qui accueille notamment des femmes qui souhaitent devenir chefs d'entreprise. Merci beaucoup Marion Sénat de nous accueillir ici donc à la Canopée Gradignan. Muriel Bichot, vous êtes éducatrice spécialisée et thérapeute familiale. Vous représentez le CACIS, qui est le centre accueil, consultation, information, sexualité, qui vient par ailleurs d'ouvrir la maison d'Ella. À Bordeaux, on va en parler. Laetitia César-Franquet, vous êtes docteur en sociologie, vous êtes cadre pédagogique à l'Institut régional du travail social de Nouvelle-Aquitaine. Et puis Marie-Françoise Rebaud, vous êtes directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles en Gironde. Merci beaucoup, mesdames. Nous allons sur chacune des trois thématiques donc, que je vous ai évoquées, commencer par regarder des témoignages. Ouvrons ces travaux avec la thématique de la mixité professionnelle, ces femmes dont on dit encore qu'elles exercent des métiers d'hommes. Et donc nous sommes partis en Charente-Maritime, à la Tremblade, en bord de mer. Nous avons rencontré Catherine Coutant, qui est ostréicultrice. J'ai d'abord récupéré l'entreprise de mes parents, donc ça a été, il n'y a pas de souci. Après, ce qui était plus compliqué, c'est quand j'ai voulu m'agrandir. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu besoin d'un banquier. Et c'est pas évident quand on est une femme dans un milieu vraiment masculin. Ça vous a été dit clairement? Ah oui, complètement. Je vous raconte une anecdote. Donc, mes parents, mes grands-parents étaient toujours à la même banque. Quand j'étais enfant, mes parents m'ont ouvert un compte ici. Donc, quand j'ai commencé à travailler, j'étais toujours dans cette banque-là. Puis un jour, j'ai demandé à rencontrer le directeur, parce que je voulais m'agrandir, mais je ne savais pas trop comment, quelle entreprise acheter. Donc, peut-être qu'il avait des idées, il a aussi des clients qui étaient ostréiculteurs. Et donc, quand j'étais le rencontrer, il n'a absolument rien écouté. Il a regardé sa pendule et sa montre. Puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, le rendez-vous étant fini, bah, je suis repartie. Et donc, les 5 minutes qu'il fallait pour partir de la banque et retourner à l'établissement, il avait appelé mon père. Et il lui avait dit que tant que je ne serais pas mariée, il ne m'installerait pas dans l'ostréiculture. Bon, j'ai jamais remis les pieds. Et j'ai fermé mon compte 22 ans plus tard. Mais bon. Et vous n'avez pas eu besoin d'être mariée pour développer votre entreprise? Non. Il y a heureusement des banquiers ouverts d'esprit. Que les femmes ont toujours eu leur place. C'est vrai, elles ont eu des places différentes ou des places un peu plus cachées. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne seraient pas ce qu'elles sont s'il n'y avait pas la femme qui gère l'entreprise ou qui est au bureau et qui s'occupe des clients. Donc c'est vrai que... Mais elles sont moins connues parce qu'elles sont souvent dans les cabanes. Voilà. Alors la place de la femme aussi, c'est quand même beaucoup le triage, l'emballage. C'est ce qu'on appelle la femme de cabane. D'ailleurs, ce nom-là reste toujours. Même sur les petites annonces, on voit souvent « recherche femme de cabane ». Mais c'est vrai que les femmes étaient peu en mer. Elles le sont quand même de plus en plus. Donc là, c'est... on a reçu vendredi dernier du 4 mm. Et tout ce qui est blanc transparent autour, là, c'est la pousse qui s'est faite en même pas une semaine. Donc elle mange bien en plus. Donc c'est très bien comme ça.
Pour la saison, c'est beau parce qu'on n'est que fin mars, même pas à peine. Donc, il pourrait ne pas y avoir de nourriture. Mais il a fait tellement beau au mois de février qu'il y a un peu de nourriture dans l'éclair. Donc, ça mange que de l'eau de mer. Hein, si, enfin, ça mange le plancton qu'il y a dans l'eau de mer. C'est simplement un circuit d'eau qui va leur permettre de manger, de s'alimenter et donc de grandir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une approche féminine de ce métier ou est-ce qu'il faut complètement bannir cette idée-là ? Dans mon entreprise, il y a quand même une approche féminine. Ça se voit à la décoration de la cabane. Mais après, c'est vrai que cette étape-là n'est pas faite par beaucoup d'ostréiculteurs. Moi, je l'aime bien parce que ça nous permet d'avoir nos huîtres depuis le début. Et encore, là, j'ai acheté du 4 mm, mais avant, j'achetais du 800 microns. Donc moins d'un millimètre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ostréiculteurs qui n'aiment pas. Pourtant, j'ai pas des petites mains, mais c'est vrai qu'il faut être assez méticuleux. Une simple bêtise, il suffit de faire glisser un tamis ou d'être un peu trop brutal. Bon, on a perdu 50 000 huîtres. Donc c'est vrai qu'il faut être quand même un petit peu minutieux. Mais il y a quelques collègues quand même qui en font, mais pas beaucoup. Catherine est aussi passionnée de photos, une passion qui démarre en 2008 alors que l'ostréiculture traverse une crise historique avec une surmortalité des jeunes huîtres. Catherine cherche alors à diversifier son activité et pour elle, quoi que les femmes aient envie de faire, il faut toujours oser. De toute façon, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pareil. Les craintes, je pense qu'elles sont les mêmes. Les difficultés ne sont peut-être pas forcément les mêmes. Les résultats ne seront peut-être pas forcément les mêmes non plus. Mais... De toute façon, dans la vie, si on tente rien, on n'a rien. Donc, il faut se lancer. Et changer de banquier. Alors, je vous conseille le très beau livre « Des huîtres et des hommes » au pays de Marraine Oléron aux éditions Sud-Ouest. Vous pourrez retrouver le regard de Catherine Coutant, de ses consoeurs et confrères, donc ostréiculteurs, ostréicultrices. Marion, ici, vous accueillez donc des femmes qui hésitent encore à devenir chef d'entreprise ou qui viennent juste de se lancer, c'est ça ? Quelles sont encore les réticences des femmes ? Alors nous, on intervient vraiment en amont du projet. Les femmes ont des idées en sommeil et l'idée ici, c'est donc de détecter des projets qui sont en dormance. Malheureusement, bien souvent, les femmes n'osent pas, pour de bonnes, pour de mauvaises raisons, pour des raisons plus ou moins conscientes ou d'éducation. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Et nous, notre mission, c'est de faire émerger ces projets qui sont à très forte plus-value, bien souvent. Et sur les freins, alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous les rencontrez, quand vous les accueillez, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, elles hésitent alors qu'elles peuvent avoir de très bonnes idées ? Alors, on s'aperçoit souvent, et ça, c'est dû à notre, je pense, notre éducation, notre culture, les femmes sont souvent un petit peu, souvent, ne tirons pas trop de généralité quand même, un peu plus en retrait que les hommes. Là où un homme, c'est l'histoire du CV, si l'homme a 80%, 20% des compétences, il va se lancer dans la démarche pour postuler à l'offre. Et si la femme, il lui manque seulement 20%, va pas forcément postuler. Donc sur les freins, oui. À un moment, donc elles ont de bonnes idées, elles viennent, elles ont a priori des compétences, mais il y a quelque chose qui bloque. Ça bloque où ? Sur quoi ? En fait, au CIDF, on fait beaucoup d'accompagnement à la création d'entreprise et on fait de l'accompagnement non seulement en amont, mais jusqu'aux 3 ans de la création d'entreprise. Et effectivement, on a une action spécifique pour les femmes et la création d'entreprise parce qu'effectivement, on repère des freins, comme tu le disais, sociaux, culturels, qui malgré tout ont jalonné l'éducation des filles et des femmes et donc se retrouvent au moment de la création d'entreprise. Et effectivement, les freins qu'on constate, c'est des freins par rapport à l'ambition et à la prise de risque. C'est-à-dire que souvent, les femmes viennent avec un projet en disant « je veux emprunter, mais pas trop, parce que j'ai quand même besoin de m'occuper de ma famille ». Or, quand vous accompagnez un homme à la création d'entreprise, puisque moi, j'ai accompagné des hommes et des femmes, il va vous dire « j'ai besoin de 30 000 euros ». Voilà, il va aller sur le montant et il va partir du projet. Mais la femme est souvent, a peur du risque ou du moins a été élevée de façon très avec prudence et du coup ça se répercute sur son ambition professionnelle. Et puis après il y a la question de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle parce qu'elle va dire je veux bien emprunter mais pas trop pour pas prendre de risque, mais en plus j'ai quand même à prendre en compte les besoins de la famille. Voilà, donc elle est souvent
elle est souvent gênée dans son projet professionnel par son environnement, en termes d'argent et en termes de temps. Parce que alors, pour se rendre compte de la problématique quand même, il y a aujourd'hui 30% des entreprises qui sont créées uniquement par les femmes, donc 70%, enfin, les hommes prennent vraiment le terrain, alors qu'elles ont autant envie que les hommes de créer une entreprise. Mmh. Si je peux continuer, mais sinon... Elles sont en général plus diplômées, elles demandent effectivement... des montants financiers moins élevés puisqu'elles osent moins, elles s'auto-censurent davantage. Et l'idée, c'est vraiment de lever ces freins dès le début pour qu'une fois qu'on a désamorcé ces choses culturelles, sociales et d'éducation, on puisse travailler vraiment le projet. Si on n'a pas nommé ces freins dès le départ en accompagnement avec les créatrices, on ne peut pas avancer sur le projet puisque pour monter son entreprise, il faut quand même de l'endurance et de la persévérance. J'aurais envie de dire qu'une émission comme celle-ci est aussi importante parce qu'effectivement, on peut travailler avec les créatrices pour qu'elles lèvent les freins, pour leur faire repérer les freins et les lever. Mais il est très important que toutes ces thématiques soient abordées de façon large et pour le grand public parce que, comme on l'a vu avec l'ostréocultrice, elle est pleine de bonne volonté, elle se lance dans la création d'entreprise qui n'est pas simple, elle veut développer et elle se trouve face à quelqu'un qui quand même véhicule des stéréotypes. Donc si on travaille uniquement sur le public féminin, ce qui est très, très important et ce que l'on fait au CIDEF, on risque aussi de finalement pas déconstruire complètement les stéréotypes et pas faciliter toujours la tâche des femmes. Voilà, c'est ça, parce que alors, là on voit bien, il y a le moment où on se lance et puis il y a le moment où on demande du soutien. Et là, Catherine Coutant parle très bien avec humour à propos de son banquier, mais c'est aussi à nouveau là un nouveau frein qui arrive. C'est un plafond de verre en fait qui s'impose directement aux femmes qui osent, et ça c'est un petit peu terrible, parce que quand elles se mettent sur le devant de la scène, au détriment parfois de ce qu'on peut leur dire sur la famille, est-ce que tu vas avoir suffisamment de temps pour ta famille? Est-ce que c'est pas trop risqué? Est-ce que c'est prudent? On est tout éduqués là-dedans et nous, le discours qu'on essaie de passer, c'est vraiment, c'est d'oser, de se lancer. On essaie vraiment de sécuriser au maximum les projets d'entreprise avec elles. C'est notre mission première. Puisqu'elles ont vraiment besoin, une femme a besoin d'être à 100% sûre de son projet pour se lancer. Un projet d'entreprise, on n'en est jamais sûr à 100%. Oui. J'aurais envie de dire que dans le reportage, ce qui m'a un petit peu, qui me fait réagir, c'est une approche féminine, il faut être minutieuse, organisée, et c'est un peu dommage de toujours montrer les femmes sous cet aspect-là, parce que ça finalement, ça participe à quand même renforcer les stéréotypes. Elle reste encore avec ces repères-là. Et oui, mais je veux dire, c'est normal, ça fait partie d'une éducation, mais c'est aussi ça qu'il faut travailler, parce qu'une femme qui ne serait pas minutieuse, elle est en grande difficulté, puisque c'est la caractéristique. À partir du moment où on donne des qualificatifs à des genres, ben on enferme. Donc voilà, c'est compliqué, quoi. Alors, il y a la question aussi des femmes salariées dans l'entreprise. Là, on a aussi de fortes disparités. Hein. C'est autour des 25% d'écart de salaire, 9% à poste égal. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Parce que ça ne se passe pas de la même façon dans tous les pays du monde. Hein. Il y a des endroits où il y a une égalité qui est mieux respectée. Donc, effectivement, je vais prendre la parole parce que c'est aussi un cheval de bataille du CIDEF d'essayer d'aller vers l'égalité professionnelle. Une des voies que l'on a sur lesquelles on travaille, c'est effectivement la mixité des métiers, en se disant que plus on aura la mixité dans les métiers et plus les comportements finalement seront égalitaires entre les hommes et les femmes. Donc on travaille beaucoup sur la mixité des métiers, même si ça ne suffit pas, hein, parce que l'égalité professionnelle, ce n'est pas uniquement la mixité des métiers. Mais la mixité des métiers permet peut-être à des femmes qui aujourd'hui, parce qu'en fait aujourd'hui les femmes sont orientées vers des métiers traditionnellement féminins, et en fait elles s'orientent vers très peu de métiers. Donc du coup elles sont souvent à temps partiel, elles sont souvent en rupture de travail, etc. Donc c'est compliqué. Donc, et elles sont souvent des travailleurs pauvres, parce qu'on est souvent sur des secteurs
qui, quand ils sont traditionnellement féminins, sont très peu valorisés économiquement. D'ailleurs, peut-être que certaines parmi nous peuvent en parler. Je crois aussi que vous avez une offre d'emploi à nous soumettre, non ? Ah oui, j'ai un projet, mais je pensais le faire à la fin. Non, allez-y, c'est le moment. Alors, je vous le fais tout de suite. On a une affiche ici. Je ne sais pas si elle est visible et tout. C'est-à-dire que le CIDF est hébergé actuellement par la métropole dans un local qui est parfaitement adapté et devra déménager dans un autre lieu, pas loin, en centre-ville. C'est très important pour le CIDF parce qu'au-delà de l'insertion professionnelle, il y a la question des violences et de l'égalité en général. Donc la mairie de Bordeaux nous propose un local rue Goya qui est très bien, mais pas du tout adapté à notre pratique professionnelle qui porte beaucoup sur des entretiens individuels. Donc, on a besoin de restaurer cette maison qui est... Et donc, on a mis en place un projet qui s'appelle « Le peintre est une femme ». C'est-à-dire que donc le réaménagement du local, grâce au soutien des financeurs tels que le département, mais également de la région et d'autres, va se faire par le biais d'un chantier qualification. Donc, il s'agit de qualifier 12 femmes avec un certificat, une qualification sur le métier de peintre en bâtiment. Donc actuellement, on fait un recrutement. On fait un recrutement avec un centre de formation au métier du bâtiment qui nous pousse un peu en nous disant « Bon, mais s'il y a des hommes, ça ne serait pas grave. » Mais nous, on aimerait vraiment atteindre les 100% de femmes pour la création, pour l'aménagement et la restauration du CIDF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Donc on recrute effectivement actuellement des femmes qui voudraient, ou des jeunes filles, ou des femmes qui souhaiteraient s'orienter vers le métier de peintre en bâtiment. Actuellement, quand on regarde en Gironde, sur la totalité des peintres, on a moins de 5% de femmes. A contrario, à l'IRTS, vous recherchez des hommes. Oui, à l'Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine, on constate que principalement, ce sont des femmes qui candidatent pour entrer dans les métiers du social. Donc, dans toutes les filières liées à l'exclusion, à la protection de l'enfance, au champ du handicap, principalement aujourd'hui, les travailleurs sociaux sont des femmes. Et pourtant, c'est des métiers où les hommes ont autant leur place que les femmes. Donc, il y a une autocensure de la part aussi des hommes pour postuler, entrer dans ces formations. Alors après, c'est vrai que ce ne sont pas forcément des métiers avec un salaire très intéressant. Les femmes font avec. Hein. Oui. Et comme souvent dans les filières, en fait, on s'aperçoit que s'il y a un écart de salaire aussi important entre les femmes et les hommes, c'est parce qu'il y a un écart de salaire entre les filières. Et les métiers du care sont peu rémunérés. Et pourtant, on en a tous besoin. On a tous besoin parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir dans quelques années une vieillesse en mauvaise santé, donc une situation de dépendance. On n'est pas à l'abri demain d'être en situation de handicap. On n'est pas à l'abri d'avoir un enfant qui souffre de problèmes de santé, ou on n'est pas à l'abri demain d'être face à une vulnérabilité. Et aujourd'hui, c'est les femmes qui s'orientent vers ces métiers si importants. Et les hommes ont également leur place. Et ce sera intéressant qu'ils osent, qu'ils ouvrent le champ des possibles. C'est vrai qu'on parle d'ouvrir le champ des possibles aux femmes. Il faut que les hommes l'ouvrent aussi, s'ouvrent ce champ des possibles. Allez, je vais vous partager. Oui, alors on partage un petit peu à moindre échelle, à l'échelle du CACIS, les mêmes constats que Laetitia César-Franquet. On a une équipe quasiment exclusivement féminine sur les questions de la vie affective et sexuelle, sur les questions de santé génésique. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas plus de médecins hommes, par exemple, de travailleurs sociaux hommes dans l'équipe. On aime beaucoup partager nos regards, on aime beaucoup échanger et on a du mal à recruter. On a deux hommes médecins sur une équipe d'une vingtaine de soignants. Et dans l'équipe de travailleurs sociaux, on n'a pas d'hommes. On a eu la chance parfois d'accueillir des stagiaires hommes, mais qui se posaient vraiment la question de leur légitimité pour parler de santé sexuelle. Et c'est vraiment dommage parce que ça reflète vraiment la problématique de l'égalité homme-femme dans la contraception, la santé sexuelle, dans le rôle qu'on a chacun à prendre sur notre santé. C'est vraiment représentatif en fait de la place des femmes et des hommes sur ces questions-là.
Comment on peut avancer sur ces questions-là? Alors, il y a eu un décret au mois de janvier dernier qui contraint les entreprises de plus de 50 salariés à tenir des comptes, des fiches pour dire voilà, il y a autant d'hommes, autant de femmes sur des postes clés notamment. Alors nous, en prévention, on a la clé, hein, mais on n'est pas assez nombreux. C'est la prévention, intervenir dans les écoles tout petit, c'est travailler en amont sur l'égalité filles-garçons. On aborde ça dans nos interventions, on intervient en primaire, au collège, au lycée, mais on n'est pas assez nombreux sur le territoire pour faire tout ce travail de déconstruction des stéréotypes, de déconstruction des idées reçues sur la place des hommes et des femmes. On voit les enfants, ils ont plein de questions, ils ont encore cette fraîcheur de pouvoir questionner ça, mais malheureusement, déjà à l'école, ils commencent à avoir des idées reçues sur ce que doit être une petite fille et un garçon. Donc voilà, il faudrait faire beaucoup plus d'interventions pour ces enfants. Laetitia, je vous voyais réagir pendant le reportage quand l'ostréicultrice parlait de ces femmes que l'on ne voit pas, les femmes de cabane. Tout à fait, l'invisibilité des femmes, elle se retrouve également dans les métiers de l'artisanat, les commerçants, où de nombreuses femmes vont avoir des fonctions administratives, des fonctions comptables au sein de l'entreprise de leur conjoint, sans être forcément déclarées, avec comme impact, quelques années plus tard, pas de retraite. Et pas de retraite, si elles restent avec leur conjoint encore, peut-être qu'il pourra y avoir une compensation, mais si monsieur cesse la vie commune ou s'il y a des violences conjugales, comment s'émanciper d'un conjoint violent sans situation financière stable? Ça pose un autre problème. C'est aussi un chantage financier qui peut parfois se mettre en place dans ce type de situation. Merci Laetitia. Effectivement, nous allons passer maintenant à notre deuxième thématique qui porte sur les violences conjugales. Et nous avons rencontré il y a quelques jours à la Maison des Femmes Manon, une jeune bordelaise, cadre dans le secteur hospitalier. Elle vient de porter plainte contre son conjoint. Ça s'est instauré petit à petit. Il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient hein, dans la relation qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que très rapidement, au début c'était une personne très, très séduisante, très attentionnée. C'est une personne qui a beaucoup de charisme, qui est relativement sociable, qui a beaucoup de conversations, qui a une certaine prestance en société avec les gens, etc. Et après, au sein du couple, au départ, voilà, c'était une séduction au départ, des attentions, et puis petit à petit, des dénigrements qui pouvaient paraître pas très graves sur les moments, mais voilà, ça arrivait de manière ponctuelle. Et puis c'était une personne qui était capable de dénigrer dans la même minute vous mettre sur un piédestal ou en sens inverse, vous faire un compliment et puis avoir des propos humiliants dans la minute qui suit. Et puis ça s'est instauré clairement dans le temps jusqu'à ce qu'on en arrive à une phase où j'envisageais de le quitter. Et là ça a basculé complètement. Complètement. Et c'est devenu un enfer. Là, vraiment, il y a eu une bascule de son comportement. C'est-à-dire que c'était des insultes du matin jusqu'au soir devant les enfants. C'était du harcèlement moral, à venir me réveiller la nuit pour avoir des discussions sans fin. C'est du chantage. Du chantage affectif, du chantage sexuel. C'est vraiment, ça atteint tous les niveaux de la vie quotidienne. Ouais. Donc on rentre dans une phase d'épuisement et de... C'est de la torture, vraiment, c'est de la torture psychologique et des humiliations. Vraiment des humiliations, ouais, permanentes. Devant les enfants. Devant les enfants. Il reconnaît certaines choses en partie, mais enfin... comment dire ? C'était de ma faute. Oui, mais elle faisait ça, toujours des choses pour justifier ses attitudes.
Mais ce qui est très très important aussi de dire, c'est que ce genre de personnes vous renvoient exactement ce qu'ils vous font vivre. C'est-à-dire qu'ils inversent complètement la situation en vous accusant, vous, de les maltraiter. Vous, de les manipuler, vous, de les humilier, vous, de ne pas être à la hauteur. On en arrive à un point où on est complètement isolé. Et on se retrouve seul face à cette situation. On ne sait plus quoi penser, on ne sait plus si ce qu'on pense est normal ou pas normal, si ce qui se passe est normal ou pas normal. Et petit à petit, bah, tous les liens avec l'extérieur sont coupés. Or, c'est ces liens qu'il faut absolument maintenir, parce que ce sont ces entourages-là qui nous permettent d'ouvrir les yeux ou de garder les yeux ouverts et de nous dire « ça, c'est pas normal ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est pas normal. » Et il faut dire, moi, on m'a aidé. Je n'envisageais pas de partir. Je ne voyais pas comment faire. On a peur de partir, on a peur de perdre ses enfants, on subit des menaces aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que si on part, ben, les enfants, on ne les verra plus. Enfin, il y a tout un tas de choses auxquelles on finit par croire. Alors, près de 220 000 femmes chaque année sont victimes de violences conjugales en France, et dans la plupart des cas, on parle de violences psychologiques. La difficulté, on peut l'entendre au travers du reportage, du témoignage de Manon, c'est aussi comment prouver, puisque ça ne se voit pas. Alors ça se voit. Ça se voit parce que les violences ont des conséquences physiques, traumatologiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui est exposé à des violences conjugales va développer différents troubles. Des troubles du sommeil, des troubles de l'anxiété, des troubles alimentaires, des douleurs. La violence va avoir un impact sur les symptômes de stress post-traumatique. Par exemple, avoir des flashbacks de l'événement violent. L'événement violent, quand il se passe à la maison, imaginez, ça veut dire que l'endroit où vous êtes censé être le plus en sécurité, c'est l'endroit qui vous rappelle la violence et vous met dans le même état que l'état au sein duquel vous avez subi la violence. Au niveau des symptômes, le stress a un impact également sur la santé des femmes. Quand vous parlez du nombre de personnes exposées aux violences et des conséquences, on peut penser également au nombre de femmes qui se suicident suite à des violences. Et ces chiffres-là, par exemple, on ne les connaît pas. On peut penser aussi aux conséquences qu'il y a sur les enfants. Et ces chiffres-là, on n'en parle pas non plus. Donc en fait, oui, ça se voit, la violence psychologique, dans les conséquences et dans l'ensemble des symptômes que les personnes qui sont exposées vont développer. Là, la Maison d'Ella qui vient d'ouvrir, là, vous accueillez ces femmes qui sont démunies, qui ont peur de perdre leur enfant. Alors c'est un nouveau service du CACIS qui s'appelle donc la Maison d'Ella et qui se centre essentiellement sur la prise en charge des psychotraumatismes en lien avec les violences, tout type de violences confondues et notamment la violence conjugale, la violence psychologique. Et c'est vrai que je rejoins Laetitia pour dire qu'il y a quand même à l'entretien, il y a des éléments cliniques qui permettent de reconnaître une femme victime de violences psychologiques. On a des médecins formés pour les entretiens et pour faire des constatations des certificats d'ITT en fait, prenant en compte l'impact psychologique de la violence qu'elles ont subie. Donc c'est très très important. Il faudrait justement former plus de médecins pour pouvoir repérer cette violence psychologique et l'impact que ça a sur les femmes. Mais nous, en tout cas, on est formés, on a des indicateurs, on sait très bien repérer les conséquences que ça a sur les femmes. C'est très perturbant parce que ces conséquences des violences, ça peut s'apparenter à ce que l'agresseur utilise, hein, la perte de concentration, la perte de mémoire. Ben, tu es en train de devenir folle, en fait. C'est utilisé par les agresseurs. À nous d'utiliser ces symptômes pour vraiment repérer la violence psychologique. On a des postures physiques, des tremblements, des clignements d'œil. On a des vraiment dans, et dans le témoignage des femmes, on a des éléments pour repérer cette violence-là et cette emprise. Alors ça, c'est important de le dire aussi pour les proches, parce que là, dans le cas de Manon, par exemple, ce sont des proches qui l'ont exfiltrée de chez elle parce qu'elle-même
Elle n'arrivait pas à partir, elle commençait à s'en prendre à elle-même, elle n'arrivait pas à partir. Donc c'est ça aussi, c'est quand on est proche et quand on n'a pas encore fait cette démarche, on n'est pas encore allé dans une association, de pouvoir opérer. On propose à la Maison d'Ella d'accueillir les aidants, c'est-à-dire de pouvoir soutenir les aidants pour pouvoir aider la personne, la victime, à peut-être un jour sortir de cette violence. On propose un accompagnement inconditionnel, c'est-à-dire on propose une permanence, c'est la permanence du soutien qui va permettre à la femme d'y arriver un jour. Il y aura des allers-retours, il y aura des doutes, il y aura des retours en arrière inévitables, parce que cette emprise, elle est terrible, hein. elle est permanente. Je crois qu'il faut aussi prendre en compte que les auteurs de violences, en mécanisme de défense, vont être dans une attribution causale externe. C'est-à-dire que ça va être la faute de l'autre, ça va être la responsabilité de l'autre. Donc, il va y avoir un renversement des responsabilités lorsqu'ils vont se rendre compte que leurs actes, leurs paroles ne sont pas normales. Donc, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est le travail auprès de ces auteurs de violence. Parce que vous allez aider une femme, elle va réussir peut-être à sortir de cette relation violente, mais il faut savoir que dans 50% des cas, les femmes retournent avec leur conjoint. Donc, s'il n'y a pas eu un travail également réalisé auprès de l'auteur des violences, sur la question de l'attribution causale, donc de la responsabilité, sur un travail sur les raisons des violences, peut-être que cet adulte était un enfant qui avait été exposé aux violences et qu'il reproduit un schéma familial. Peut-être que son seuil de tolérance à la violence est biaisé parce qu'enfant, il a été victime de violence de la part de ses parents. Il y a aussi peut-être des choses à travailler autour des auteurs pour que ça s'arrête. Parce qu'il y aura peut-être sinon une autre victime.